Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Oliver Ciné. Aujourd'hui, la petite vidéo que je vais vous faire sur mes panneaux acoustiques encore, car j'en avais déjà fait une auparavant, au tout début de mes premières vidéos, après les mousses que j'ai achetées chez Thomann, trois paquets que j'avais achetés, comme je peux vous montrer, comme ceci. Voilà, donc c'est joli. Petit panneau en mousse acoustique que j'ai acheté chez Thomann, hein. C'est ça, 75 euros, que vous pouvez voir dans mes vidéos précédentes que j'ai pu faire, vu que j'ai déménagé. En tout cas, j'ai préféré faire un vrai panneau acoustique avec une petite construction. J'ai gardé les mousses, évidemment. J'ai gardé les mousses et j'ai fait une petite structure en bois que j'avais déjà, car si vous vous souvenez de la petite cabane que j'avais fait autour de ma télé avec toutes les planches que j'avais achetées chez Brico Dépôt, sur mesure. J'avais mis mes panneaux dessus que j'ai collé. Donc c'était assez difficile de les décoller, en tout cas vu que je ne peux plus faire de petites cabanes autour de ma télé pour l'acoustique. J'ai utilisé ces planches que j'ai découpées, voilà, avec une petite scie électrique. Assez chaud, assez difficile quand même, mais bon, j'ai fait avec ce que j'ai pu, hein. J'avais une petite scie électrique, donc j'ai découpé moi-même. Donc j'ai fait la hauteur de mes mousses. Ça, c'est juste une petite mousse que j'ai coupée en deux, tout simplement. Sinon, ça fait 1 mètre sur 50 cm. Donc j'ai coupé avec les planches que j'avais 1 mètre sur 50 cm. Et puis après, j'ai mis trois petits clous sur les côtés. J'ai acheté du tissu, un tissu assez spécial. Et puis j'ai pris trois couleurs, un petit vert foncé, un vert olive et un jaune. Donc j'ai fait 5 panneaux en tout, ce qui est amplement suffisant pour que ça aille au-dessus de mon canapé. Donc j'ai fait 5 petits panneaux, planches de bois tout blanc que j'ai coupé à la scie avec les bonnes mesures. Trois petits clous sur chaque coin, une petite structure. J'ai mis le tissu au sol. Donc pareil, un tissu de 1,30 m de haut, du coup en longueur, sur 75 de large. Donc j'ai posé par terre, j'ai mis une petite structure en bois et puis après je l'ai agrafé, mis mes mousses à l'intérieur et je l'ai fixé au mur avec des toutes petites équerres métalliques que je vais vous montrer dans un instant directement en photo, hein. J'ai pas fait une vidéo, je vais vous montrer directement les photos à quoi ça ressemble avant le montage final et puis je referai du coup, voilà une petite vidéo après les photos pour le montage final une fois que je les ai une fois installés. A tout de suite. Et voilà les panneaux finis. Tout simplement. Voilà, vert foncé, un petit vert olive et un petit jaune au milieu. Installé, bien fait. Donc je vous ai tout montré en photo. Donc j'ai pas fait une vidéo vu que je les ai fait assez rapidement et c'était assez compliqué, mais ça va aller. En tout cas, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Avec ma télé, mon meuble TV et mes panneaux acoustiques enfin terminés. Donc, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'espère que ça vous plaît. Comme vous voyez derrière moi, c'est très sympa. Je mettrai même des toutes petites lumières en haut que je vous montrerai dans une prochaine vidéo et puis j'espère que ça va rendre très très bien nos soirées cinéma. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.